Nothing to drink. On a de l'eau. Pas beaucoup, mais on a de l'eau. Bienvenue, bienvenue avec le retour de la survie du week-end avec notre magnifique Ellie qui se réveille avant l'heure. Il fait toujours pas... Ah, il fait pas encore complètement jour. Donc, dans cet épisode... Donc, la dernière fois, on va faire un récapitulatif un peu de ce qu'on avait fait la dernière fois. La dernière fois, on était donc à la vallée de la rivière Calme. Donc, on avait fini... la rivière Calme, c'était assez mouvementé quand même, honnêtement. C'était assez intense. Donc voilà. On a pu marquer énormément d'endroits de la rivière Calme, donc ça c'est plutôt cool. On a fait vraiment pas mal de choses, ce qui était vraiment intéressant. Après, on est retourné donc à Milton. On est retourné à Milton et on est parti du coup de Milton. Et maintenant, on est de retour dans notre bonne vieille... notre bon vieux, je dirais même, lac Mystère. Donc nous sommes de retour ici. La dernière fois, nous avions... Alors on venait d'arriver, on a shooté un cerf dans la tête. On a récupéré toute sa viande, donc on va faire ça, on va faire cuire. Bah tiens, pendant qu'on parle. Autant le faire maintenant. Donc on va faire cuire, ou alors on attend, peut-être qu'il va faire jour, je sais pas trop. Ouais, mais on n'a pas vraiment de nourriture, de réserve. Je sais pas. Pas vraiment froid. Waouh, ok, d'accord. Bon, fait pas vraiment froid, mais on voit strictement rien. Donc on a tout ça à faire cuire. On va le faire. Je sais pas si... Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va tout faire? C'est un peu peut-être un peu chiant. Comme... à regarder, je sais pas trop. On fait moins de 13. Alors on va faire le feu. Ce qui est embêtant, c'est qu'on n'a pas de feu à 6... 6 emplacements, on a que seulement 2 emplacements. Donc ça c'est un peu embêtant. On peut le faire dehors par contre. Donc ça c'est bien. Qu'est-ce que je vous dis, c'est bien. On va le faire dehors du coup. Et après ce qu'on va faire, donc on va essayer de trouver la photographie qui est dans cette zone. Et après trouver bien sûr l'endroit. Alors on est au lac Mystère, honnêtement c'est vraiment différent. C'est beaucoup plus calme, hein. Le temps est beaucoup mieux, beaucoup plus facile à gérer. Donc on va pouvoir se déplacer un peu plus facilement comparé à où on était la base. Voilà, feu de 2 heures, c'est très bien. 32 minutes 32, c'est bon, c'est bien. Donc ça c'est plutôt cool. Ça c'est vraiment le bon côté des choses. On s'était déjà préparé. Oui, on avait enlevé tout notre matériel. On est quasiment à 30 kilos, ce qui est très bien. Ce qui est très très bien. Bon, par contre, elle a quand même froid. Elle a quand même froid, la dame. Alors, est-ce qu'on avait des vêtements à réparer encore? On n'a pas vraiment des vêtements à réparer. Une chose que j'ai peut-être envie d'enlever, c'est ça, si jamais on se balade pour éviter les... L'attaque des loups. On va récupérer du tissu. Alors je sais qu'on voit pas grand chose, mais on va se déplacer aux fenêtres comme d'habitude. Mais ouais, dans cet épisode, on va faire ça. Alors on va voir comment ça se passe. Si jamais... Non, ça c'est le lit. Objet fouillé. Si jamais ça se passe pas des masses bien, c'est-à-dire qu'on trouve rien et tout ça... pour le prochain épisode, je regarderai sur internet genre les éventuels spawn, en fait, les endroits d'apparition de la pellicule pour cette zone, et après on ira les fouiller nous-mêmes, voilà, pour éviter de tourner en rond 5 ans. Et ce qu'on va faire aussi, vu qu'on a 3 fourrures d'ours noirs séchées, combien il en faut? On va faire une deuxième fourrure, un deuxième vêtement. Heures, il faut 2 fourrures, 4 boyaux, d'accord. Ok, 2 fourrures, 4 boyaux. Ouh, c'est chiant de rien voir. Ils sont où les boyaux séchés? 1, 2, 3, 4, ok. Est-ce qu'on peut choisir genre 30 minutes? Parce qu'à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça en fait, on va faire 30 minutes. Une demi-heure pendant que ça cuit, hein, parce qu'en fait j'étais en train de me dire dans la tête, putain, qu'est-ce qu'on va faire à chaque fois, c'est genre 40 minutes à attendre pour la viande, ça va être relou. Mais du coup on va faire ça, on va commencer notre
notre vêtement. What? Très bien. Encore une heure, très bien. Donc on va faire ça. On va faire vêtements, cuir. Voilà. J'espère que le temps va pas se gâter par contre. Voilà, une demi-heure. Voilà, comme ça on perd pas de temps. Là c'est efficace là ce qu'on fait. Bon par contre à chaque fois on sort, on rentre, c'est un peu relou mais bon. C'est comme ça. C'est comme ça. Du coup ça va aller vite en fait. Ça va aller... 5 minutes, ouais. Ça va aller assez vite. Le temps a pas l'air d'être trop pourri honnêtement. Ça va. On va pas trop mettre de feu, pas trop longtemps, parce que si jamais le temps se gâte. On va mettre à chaque fois maximum 2 heures, pas plus. On va attendre que ça finisse, on va en manger 1000 calories. Ah, très bien. Hop. Hop. 40 minutes, très bien, 2 heures. Ok, on re-rentre. Donc voilà, hein, quand vous voulez être optimal pour l'utilisation de votre temps, faites ça, hein, c'est vraiment le top du top. C'est vraiment le top du top. Le couteau et la hache aussi, enfin on va faire surtout le couteau. Le couteau va vraiment prendre cher sur la fabrication d'un deuxième manteau en peau d'ours. Ça c'est un peu le problème. C'est que, ouais, on va perdre pas mal de pourcentage avec le couteau, mais bon, on a 3, 4, je crois, pierres à aiguiser, donc ça va. C'est pas très très grave. On va regarder un peu les alentours. Ouais, on a vraiment un bon temps. Hein. Moins 12 degrés, ça va, hein. c'est pas pourri. Hein. Très bien, de toute façon c'est bientôt fini déjà. 40 minutes, 1h20, très bien. On va récupérer de l'eau. Je pense pas qu'on va en faire de l'eau en plus, quand on en a encore pas mal. Je viens juste de voir qu'on en avait aussi en bas, j'avais même pas vu. Je n'avais même pas vu qu'on en avait en bas. Ok, très bien. Voilà, sinon c'est tranquille. Donc comme j'ai dit, donc on va essayer de trouver le Polaroid ici. Et après, moi j'ai bien envie de faire le Mont Timberwolf en fait. Je vais être honnête. Le Mont Timberwolf. Parce qu'après on peut toujours revenir à la rivière sinueuse. C'est ici? Non, la crique lugubre. C'est la crique lugubre avec les loups gris, hein, c'est ça? Enfin bref. J'ai bien envie de le refaire et tout ça, et on trouve le code et machin, et puis on regarde... Enfin, on y retourne, quoi, pour faire la suite. Mais c'est une zone qu'on a déjà vue. Enfin, on va balancer de l'eau après. C'est une zone qu'on a déjà vue, donc dans un sens, je me dis, est-ce que c'est vraiment utile d'y retourner? Vous voyez, ça va pas vraiment être très très nouveau pour nous. Donc, Je suis pas très fan en fait d'y retourner. Je veux bien y retourner, c'est pas parce que j'ai peur ou quoi que ce soit, mais je préfère encore aller dans un endroit qu'on n'a pas vu. Donc ouais. Je pense que ça va être le Mont Timberwolf, honnêtement. Ça serait plus fun. Ça serait peut-être un tout petit peu plus fun pour nous. Après, je sais plus quelle zone on a fait. Nous, on a fait quoi? On est arrivé sur l'autoroute côtière, je crois. Ou alors c'était le site de désolation, je crois. Après, on a fait l'autoroute côtière, et après l'autoroute, on est parti directement au lac Mystère. On pourrait refaire quelques... Genre la vallée charmante, je pense pas qu'on ait fait grand-chose dans la vallée charmante. Je me rappelle plus, en fait. Parce que j'ai fait quand même plusieurs... Ça fait plusieurs mois, même, que ça dure. Donc je sais même plus si on est dans cette partie-là, on est allé dans la... Si on a fait les endroits de la vallée charmante.
On va mettre un peu plus de feu. Voilà, normalement c'est bon et ça devrait pas s'évaporer. On va prendre un peu d'eau. Un petit peu d'eau. Voilà. On va déjà tout poser par terre. Genre ça. Voilà. Voilà, donc ça c'est quand on fait le... Quand on fait le manteau. Voilà, on a des torches. Une torche à 100%. On va faire ça. Et c'est parti. Bon, on voit pas grand chose, mais on va se débrouiller. Ah oui, non, faudrait peut-être prendre à manger. Voilà. Deux, c'est peut-être un peu overkill. Mais... Donc on va d'abord aller à la tour. On va d'abord faire la tour, qui est pas très loin. Puis après... Ah bah tiens, le brouillard se... disparaît. Après... Comme j'ai dit, la tour de Gué là-bas, là. Et après, derrière, il y a la tour de l'antenne radio. Donc, on va faire l'antenne radio. Et puis, s'il n'y a pas la photo ici, on va... On pourrait aller ou sur le lac pour faire les maisons, ou alors... On pourrait directement passer au barrage. Barrage Carter. Ah, peut-être le barrage Carter, peut-être le mieux. Mais bon, du coup, ça serait quoi? Il faut vraiment, genre, fouiller le barrage Carter? En fait, ça m'étonnerait que ça soit à l'intérieur du barrage. Parce que, du coup, ça voudrait dire que la photo, elle appartient au barrage. Vous voyez ce que je veux dire? Normalement, la photo, elle devrait être sur la zone. Elle devrait même pas être dans un bâtiment, en fait. Elle devrait être, genre, par terre, de ce que j'ai compris. Un petit lapin. Faudra aussi récupérer des lapins. De ce que j'ai compris, on devrait trouver la photo par terre. Dans la zone par terre. Je sais pas par où je passe là en fait. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Il fait pas très froid. Ah, et là la tour, d'accord. Je pensais qu'elle était de ce côté-là, en fait, non. Ah, et là, c'est le train, là, qui s'est crashé. Oh, est-ce qu'on a pris des charbons? Mince. Mince, on n'a pas pris de charbon. Oh merde. On n'a pas pris de charbon pour dessiner la map. Ça peut être un problème. Bon, c'est pas grave, on repassera chez nous, on prendra les charbons qu'on a fait. Enfin, on n'a même pas besoin de prendre les charbons qu'on a fait, je crois qu'on en a à l'intérieur de la maison. On les a mis dans un tiroir. Ça va, il fait tranquille. Il fait tranquille, ça veut rien dire. C'est assez tranquille, ça c'est mieux ça. Pas très froid. Pas de mauvais temps. Il n'y a pas de loup. Ah mais on est en... Paradis sur Terre. Dis-moi qu'elle est là la photo, comme ça ça irait plus vite en fait. Comme ça, on règle ça et hop, on va sur une autre aventure. Ça serait vraiment cool. Est-ce qu'on court ou pas? Non. Tour de Gué forestière. Nouveau lieu découvert, pardon? Comment ça, nouveau lieu découvert? On l'avait découvert déjà, on était déjà venu ici, non?
était déjà venu ici. Alors ça. Oh yes, prendre charbon. Cool. Un charbon. Vide. Je regarde s'il n'y a pas genre la photo qui se cacherait. Ok, ok. Non, je pense qu'on peut partir. Mais c'est embêtant ça. Voilà, maintenant l'antenne radio, c'est ça. Je sais pas, je vois pas. Il y a trop de brouillard. Là-bas, c'est le train. Là-bas, c'est le train. Donc, c'est là-bas. Non, c'est peut-être ça, en fait. On va commencer à courir un peu, parce qu'on a froid. On aurait pu dormir, se réchauffer, tout ça. J'ai pas trop envie. Oh, la vache. Ouais, c'est ça, c'est ça. L'antenne, honnêtement, l'antenne radio, je suis assez confiant. Je pense qu'on va trouver la photo. Alors, est-ce qu'on peut couper? Comme ça, je me gourre pas de chemin. Hop, 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 hop. Okay, très bien. C'est super tranquille. Il n'y a pas de vent, il n'y a rien. Waouh. En plus, on est super léger. Vraiment bien, c'est pour ça que ça serait bien de pouvoir genre dropper le sac et tout ça. Comme j'avais dit, j'en avais parlé. Genre poser le sac, jeter le sac. Comme ça on est super léger. Ok, comment on monte par contre? Merde. Ok, ça par contre j'ai oublié. Quel chemin on prend pour monter? Je sens que les mollets vont prendre un coup. Comme ça. Je crois qu'on va trouver un chemin si on continue. Oh la vache. Ah, il fait jour. On peut même... Ah, voilà. Aïe 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 aïe, il fait même jour, enfin il fait plein, il fait beau, donc du coup on pourrait utiliser la loupe. On n'avait même pas eu besoin d'utiliser la lunette. Suzy Boy. Ah, c'était tout à l'arrière en fait, le passage. Bon, on peut pas sprinter, c'est pas grave. C'est joli, hein, comme ça. Quand c'est tout illuminé, y a pas de brouillard, y a pas de vent, y a rien. C'est vraiment cool. Alors, donne-moi la photo. Donne-moi la photo. Alors, j'imagine que la photo, elle serait... Très bien. Genre elle serait posée par terre. Il n'y a rien, donc peut-être dans les débris de la... Genre là. On va vider. Là-dedans, ça aussi on l'a vidé. Et on peut monter quand même, hein, après. Est-ce que d'hypothermie, là on peut mettre une corde. C'est vrai que là aussi on pourrait mettre une corde en fait, la corde qu'on a trouvée. Comme ça, ça nous permettrait de monter directement, mais ça sert un peu à rien de monter directement de toute façon. Il n'y a rien d'intéressant ici. Donc non. Hmm.
Donc y a rien. Où est-ce qu'on pourrait... descendre là, il y a des... Vous vous rappelez, à un moment, on avait voulu chasser un élan. Et il y a une petite maison et tout ça. On peut y aller. Poum, 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 poum. On pourrait y aller. À la limite, ouais. Le problème, c'est qu'on peut pas sprinter, c'est un peu chiant. Hop, on va passer par là. Ça va plus vite. Ah, on a déjà le... Les mollets brisés, donc... on peut pas faire pire. Là-bas, il y a les mobilhomes, non? De ce côté-là. Bon, par contre, faut faire gaffe, hein, de pas tomber sur des loups. Mais il y a les mobilhomes de ce côté. Les mobilhomes de ce côté. On peut aller peut-être voir ça. J'ai envie de dire. On aurait dû peut-être dessiner à la tour de guet, à l'antenne. Ouais, quoi qu'on l'a déjà fait, ça, on n'aurait rien vu. On va aller là-bas. Je sais pas si on... qu'est-ce qu'on fait. On se soigne la cheville ou pas. C'est vrai que c'est un peu relou qu'elle queen tout le temps. Les mobilhommes, normalement, ils sont juste là. Les trois. Non. Si, si, je crois qu'on les voit. Faut qu'on se réchauffe. Hein. Faut qu'on se réchauffe parce que sinon on va perdre trop de vie. Donc on va dormir genre une heure. Voire deux. Après j'espère pas qu'ils les ont mis genre vraiment dans des endroits où qu'on trouve pas quoi. Les photos. Merde. Je suis au bon endroit. C'est un peu plus loin. Oh, on a tellement une belle vue. J'ai plus l'habitude, moi, de voir aussi clair. Moi, j'ai l'habitude de... Ok, il y a des loups. On va peut-être devoir se soigner. Ah, voilà, ils sont là. Embêtant de voir comme ça. Là-bas, on va regarder la maison brisée, là, parce que je crois qu'il y a un cadavre. Alors, il y aurait peut-être la photo à côté du cadavre, un truc comme ça. Rien du tout. Rien du tout. J'ai un peu peur que l'épisode soit pas vraiment intéressant. Genre qu'on trouve pas la photo, qu'on voit rien. Ça serait un peu emmerdant. C'est combien de temps pour se soigner? C'est 4 heures? 4 heures. Ouais. On va pas dormir 4 heures, mais on va dormir quelques heures, genre 2 heures. Après, où est-ce qu'on pourrait aller? Alors, est-ce qu'on check les 3 mobilhomes ou pas? Est-ce que ça sert à quelque chose? Je dirais que non. Je dirais que non, honnêtement. J'ai envie de me...
voilà, on va rester encore 2 heures. Ça m'énerve qu'elle boite. Et j'ai pas envie d'utiliser un tissu là. Un pansement. Parce que comme on a dit, les deux photos qu'on a trouvées, nous, elles étaient bien à l'extérieur. Genre à côté d'un cadavre à chaque fois. C'était pas à l'intérieur de bâtiment. Bon, allez, commence à avoir un peu de vent. Donc, je crois que ça sert à rien de fouiller comme ça. Quand même vite fait. Sinon, après, ouais, la petite maison où on avait combattu l'élan, là. Parce que là aussi, il y a un cadavre. Là aussi, il y a un cadavre. C'est pas méga loin. Et après, on va à la cabane du trappeur. C'est par là-bas. Et après on va à la cabane du trappeur, ouais. Après dans l'entourage du barrage peut-être. Mais ça m'étonnerait. Après où est-ce qu'on pourrait aller? Ouais, sur le lac gelé. Le lac gelé. Il y a les maisons, mais c'est des maisons à fouiller la plupart du temps, donc ça m'étonnerait encore une fois que ça soit dans les maisons. On va se mettre là, comme ça on sera à l'abri du vent. Ah, quand c'est des zones qu'on a déjà faites, honnêtement, c'est un peu le problème hein, de la mise à jour. C'est que du coup, il faut revenir sur nos pas. Vous avez vu que là, on a trouvé par exemple une bombe de peinture. Alors que cette zone, on l'avait déjà faite. Mais vu qu'il y a eu la mise à jour, ils ont... la bombe de peinture est apparue. Donc ça, c'est un peu le problème. Là aussi, il y a le cadavre. Je sais, on avait vu des loups, mais je sais plus où. Si c'était de ce côté-là ou de l'autre côté. Ok, on va aller là-bas. Donc là-bas, c'était la zone de l'élan. Ça, il fait pas très froid, hein, honnêtement. Même avec le vent et tout. Un loup là-bas. Je sais pas pourquoi il y a un loup aussi loin. Il y a quelque chose là-bas, de ce côté-là? Deux même, c'est un deuxième loup ça. Faudrait aller voir au fond. J'ai on dirait qu'il y a peut-être un bâtiment ou quelque chose. Ça m'étonnerait quand même. Bon, en tout cas, est-ce qu'il y a un élan? Non. Ça aurait été marrant qu'il y ait déjà un autre élan. Ouais, pas de charbon. Quoique, je serais pas étonné hein, qu'il y ait un élan qui se balade dans la zone. Un nouveau qui serait venu. Je serais pas étonné, moi, perso.
C'est un bon endroit pour les plumes ici, vu qu'il y a deux cadavres. Ok. Non plus. Là, on avait laissé des choses, on avait la viande d'élan, lapin cru. Ah ! On l'a trouvé ! Oh mon dieu, c'est juste à côté. Ok, cool. On l'a trouvé. Putain, c'était quand même... Donc ouais, donc les photos sont vraiment bien à l'extérieur. Hein, à l'extérieur, elles sont pas dans les bâtiments. Qu'est-ce qu'on avait mis là ? Charbon, ok. Mais... Ok, d'accord, bon bah on l'a. Alors, on fait voir un peu ça. Photo instantanée, troisième. Sur une vue du lac Mystère. Oh mon dieu, non? Alors, quel panorama incroyable. On voit presque toute la région des lacs. Ce n'était pas facile de grimper jusqu'ici avec toutes ces cordes. Oh merde. Mais ça valait le coup, je te... montrerai ça la prochaine fois qu'on viendra dans le coin ensemble. B. Des cordes? Comment ça des cordes? Il n'y a pas de cordes. Ah, tu crois que le mec est passé par là en fait, par la corde. Ok, ok. Nous, ce qu'on peut faire en fait, c'est passer par ici. On peut monter, on peut facilement monter à pied. Bon, ça va nous coûter une jambe ou deux, mais bon, on a l'habitude. Mais on peut passer. Ok, bon, bah on rentre. On rentre. À la limite, ce qu'on va faire, parce que nous on est là. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la cabane du trappeur. Je dirais, on va aller à la cabane du trappeur pour voir ce qu'il y a. Genre pas comme encore un coup de. Oh, c'est cher. Un coup de bombe de peinture et tout ça, peut-être. On va aller voir ça. Oh, par contre, on est en plein face dans le vent, c'est relou. Ok, je vais être honnête, ça me donne pas envie d'y aller en fait. Ouais, ok, non, on va pas y aller, ça va me saouler, ça va m'énerver. On se casse. On rentre. Non, ça va prendre 3 plombes. Ça va prendre 3 plombes, on va avoir froid, etc. C'est bon, on se casse. On va retourner sur les rails et on rentre chez nous. Je regarde au passage s'il n'y a pas un élan ou un ours. Ou un ours. Par exemple. Genre un ours. Ce serait bien un ours. Et un ours. On va passer la nuit. On va passer la nuit. On va aller... avec de la chance, il fera bon. On va aller se faire l'ours. Comme ça, ça nous fera encore une peau en plus. Ah, on devient... En fait, le pire, c'est que... En fait, on devient vraiment... Genre un chasseur pour les peaux, maintenant. Parce que... c'est triste de dire ça, mais... On n'a plus vraiment besoin de se nourrir. Enfin, la nourriture, c'est pas vraiment un problème. Mais on chasse pour les peaux. Parce qu'elles mettent tellement de temps, en fait, à sécher. Du coup, on les prend en avance. Surtout les grosses peaux, comme ça. Donc du coup, bah ouais quoi, on a vu un ours, on va se le faire. C'est maintenant que le vent se calme. Oh, c'est du troll complet quoi. Très bien.
Faudrait qu'on attrape les lapins avec les collets. Honnêtement. Au lieu d'utiliser les flèches. C'est pas vraiment un problème, on a plein de fûts. Mais le truc c'est que il y a le défi avec les collets. Ce serait intéressant en fait de le faire. Ce serait intéressant. Je pense que je vais essayer de prendre l'habitude de mettre des collets dans cette région là. Donc oui, là-bas il y a une grotte en haut en fait. Et cette grotte elle est pas mal pour quand vous avez genre la folie de l'enfermement là. Mais on peut monter par là en fait. Parce que grâce au rocher, là, au gros rocher qu'il y a là, du coup ça fait du plat. Et à chaque fois vous pouvez continuer à monter. Vous n'avez pas besoin de passer par la corde. Donc en gros le mec il s'est fait chier avec la corde mais en fait ça servait à rien. Bon après c'est peut-être pas Spider-Man le mec aussi mais... Ah merde. Bon bah... Apparemment j'avais mal calculé mon temps, il y avait trop de feu. Il y avait trop de feu, ça a fait évaporer le feu, l'eau pardon. C'est con ça. C'est con ça, dis-moi. Hop, hop. Très bien. Les lapins, on n'a pas besoin de les récupérer, honnêtement. On n'a vraiment pas besoin de les récupérer, les lapins. On va mettre la viande à l'extérieur. C'est joli, hein. Joli, c'est très joli. J'allais dire, on pourrait aller prendre la photo maintenant, ce serait stylé. Mais en fait non, parce qu'on va, c'est la nuit, donc elle va pas vouloir. Elle va pas vouloir prendre la photo. Alors peut-être qu'après ça marche avec la photo, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr. J'ai envie de travailler un peu sur sur le vêtement. On va faire ça. J'ai envie de travailler un peu sur le vêtement, genre 2 heures, un truc comme ça, et après on dort. Il y en avait 3 de boyaux. Voilà, on a 34 heures, on va tout remettre là. Alors maintenant on dort. Une dizaine d'heures. Putain, ce néon il est fort. Ils ont changé ça ou pas? Je me rappelle pas que c'était aussi illuminé à l'air. En haut comme ça. On va dormir. Dormir 8 heures, très bien. Et on va aller faire notre photo. Faut qu'on regarde le charbon qu'on a aussi. Si on peut pas en récupérer un peu plus. Voilà, il est en pleine forme, très bien. On est le matin, c'est très bien. Ça se passe bien honnêtement, c'est tranquille ici, c'est vraiment tranquille. Ça change un peu. La bonbonne, cette bonbonne là, on va la virer. On en a mis d'autres des bonbonnes quelque part. Une là. Ouais. Tout.
Ok, let's go. Ah oui, le charbon, on en a combien? 4. On va en prendre un peu plus. Je crois que j'en ai mis là. Ouais, 65. Ok. Les coller. Il y a des lapins en haut. Tiens, on va mettre les collets. Regardez-moi ça, il fait beau. Bon, il fait froid par contre. Mais il fait beau. Putain, il fait super froid. Il fait au moins 28, saloperie. Soleil, soleil. Donc, en théorie, on peut passer par là. Pas besoin de prendre la corde. On va sûrement se péter les chevilles comme d'habitude, y a pas de problème, ça y passe tout le temps. Voilà, une. Ah, c'est le poignet. Mais normalement on peut monter. Voilà, on fait le tour comme par là. Allez, on va sprinter même. Voilà, bien la cheville, parfait. Non. La montée, c'est pas une partie de plaisir, mais ça évite de prendre la corde. Est-ce qu'il faut encore monter? Je m'en rappelle plus. Je crois que je suis trop haut même. Oh la vache. Ouais, non, c'est bon, mieux. Oh la vache. Allez, crac crac hein. Merde, c'est où? Ouais, je crois qu'on était trop haut. Ah, c'est ici. La merde. Comment j'ai pu louper la grotte. Là on est devant le train. Quoi? Donc on est là en fait. J'ai loupé la grotte. Bah mince, je l'avais trouvé par hasard en plus la grotte. Genre on est trop. Bah, je comprends plus rien. Bon, si je trouve pas, on va rentrer parce qu'on a froid. Ah, c'est peut-être là. Comment je me suis retrouvé? Ok, je vais être honnête, là, je suis perdu. Je sais pas où on est. En fait. Donc là, on est devant. Quel bordel. Donc on va à l'opposé. Bon, on va rentrer s'il fait trop froid.
Où est-ce que je suis? Sans déconner. Oh mon dieu, on va être bloqué. Alors là... Oui, bon, alors peut-être que le mec qui a pris le... qui a pris la corde était moins con que moi. Voilà, oui, bon, on va lui dire ça. On va lui donner ça. On va dire qu'il était moins con que moi, parce que moi, je me suis perdu, en fait. Je me suis complètement perdu. Mais... What? On est au pont? What? On est extrêmement loin. Mais c'est quoi ce bordel? On est tombé dans une faille temporelle ou un vortex, j'en sais rien. C'est pas normal. On va aller voir les bungalows là-bas. On est méga loin. Alors il y a trois cerfs là. J'espère qu'il n'y aura pas de loup. C'est pas mal ici pour chasser le cerf. Vraiment pas mal. Il faudrait refaire tout le barrage aussi depuis la mise à jour pour récupérer des bonbonnes. On va refaire tout le barrage. Ça serait vraiment chiant à faire. Mais... Waouh. Alors là, je sais pas comment je me suis débrouillé pour me retrouver ici. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Ah bah regardez. Ah, bombe de peinture. Je pense pas qu'elle va vouloir dormir 4 heures. Ah si, poignée, risque du mal de l'enfermement, cool, c'est plaisir. Bon bah c'est bon, on peut courir. Ça c'est parce que on a... Qu'est-ce qu'on a fait à l'intérieur? Ah ça c'est le coup du... Comment s'appelle? Le coup d'avoir fait tous ces fûts de flèches aussi, ça a dû influencer. Ok, donc là on a le pied de biche à 0%. De l'argent. J'ai envie d'aller au barrage, mais bon, il faut faire nuit. Donc on va pas le faire. Non, on serait une perte de temps. On va faire nuit. Bah, on a le temps. On pourrait faire une partie du barrage, honnêtement. Enfin, ça irait vite, de toute façon. Vu que c'est que des bonbonnes. Mais après, c'est des bombes de peinture. C'est pas vraiment le truc prioritaire non plus. C'est bon ça. Bon, par contre moi je veux passer par là. S'il y a des lapins là-bas.
passe par là ou par là? Je vois. Je crois que c'est par là. Je vois rien avec ce brouillard. Chier. Bon, y a potentiellement des loups aussi. Donc ça, c'est un peu plus relou. Bon, sinon, on a fini, hein. Enfin, quoi... Ah non, on a toujours pas regardé l'endroit pour la photo. C'est chier. J'aimerais bien finir ça pour cet épisode. J'aimerais bien finir ça. Ah, là, on n'a pas de visibilité, on va pas pouvoir le faire. Oh mon dieu, c'est chiant. Bon, si on veut des cerfs... On a des cerfs et il faut aussi aller chasser l'ours. Il faut aussi aller chasser l'ours. On pourrait aller le faire. Hein. Il fait pas vraiment froid. Donc on pourrait aller faire l'ours. Alors là, faut faire attention s'il n'y a pas de... De loup. Je sais pas si ça vaut le coup de mettre des collets ici. Ah bah oui. Oui, oui, ça vaut le coup. Mais... C'est quoi le raccourci des collets? Normalement, elle est là, la corde. J'ai envie de dire, on la prend peut-être. Je sais pas si c'est cette corde là, en fait, que le mail qui parle. C'est là, c'est ici, on y est. C'est une méga grande corde, en fait. Pas très confiant ce que je suis en train de faire. Non, ça va aller. Allez. Puis après, on a le sac de couchage et tout ça. S'arrêter. Au moins on pourra dormir, c'est bien. Ok, là elle est là, la grotte, là il y a les lapins. Non mais c'est ça, hein, c'est bien ici hein, que j'avais trouvé, mais... Mais j'étais pas passé. Ah, voilà, vide, livre et tout ça. Oui, oui, je l'ai déjà vu, ça. Mais j'étais pas passé par là. J'avais pas pris les cordes. Bon, ce qui est emmerdant là, c'est qu'on a... On a le brouillard, en fait. Moi, à la limite, j'ai envie de dire, on peut essayer de dormir genre une heure. Voir si le brouillard s'en va avant que... Avant qu'il fasse complètement nuit. J'ai envie de voir. Un truc qu'on pourrait faire aussi, c'est ne pas utiliser le sac de couchage de Hanmours. Et utiliser le normal. Pour éviter de l'user. Hmm.
crois pas que ça se soit amélioré. Elle va pas vouloir. Bon, en tout cas, on a la grotte. Donc c'est plus vers là. Donc la corde est là, la grotte est là. Donc c'est plus vers de ce côté-là. Genre ça doit être là, au bout de ça. Ah, c'est chiant. Il fait pas froid, rien. Mais brouillard, tu peux pas partir. Honnêtement, ça doit être là. Surplomb du lac. Ouais, t'as faim. Ouais, donc elle va pas vouloir. Oh. Embêtant. Ouais, il fallait aller à droite. Ouais, je me suis... Je sais pas. Faut que on marque... un arbre. Pour le chemin. Et là, il faut aussi marquer. Ouais, là, on peut pas monter. C'est trop pentu. Là, on est retombé chez nous. Oh la vache. On va aller échanger le sac de couchage. Ça fera déjà moins lourd. Bon. Qu'est-ce que je veux que je vous dise? On va passer la nuit et on retourne faire la photo. Y a pas grand chose à faire en fait d'autre. On va virer ça. On va prendre celui-là. Il a 78%, très bien. On a le mal de l'enfermement aussi bientôt, c'est pas grave. On va aller, on dormira dans la grotte. Ah bah tiens, on pourrait y aller maintenant en fait dans la grotte. Oui mais du coup là, c'est la nuit, je vois rien, donc je sais pas. Ah c'est embêtant hein. Ouais non, on pourrait le faire. Je sais pas si ça compte dans la grotte, c'est censé compter comme un intérieur, donc je sais pas si ça marche en fait. Je sais pas du tout si ça marche. Moi je dis pourquoi pas, on va tester. On va aller tester. Comme ça, on se réveillera directement devant l'emplacement pour la grotte. Pour la photo. Donc, on va essayer de ne pas faire la même connerie.
Donc là, comme ça. Là, je devrais en fait marquer avec des flèches les arbres. Et là, normalement, il faut monter. Voilà, c'est l'embranchement, donc faut monter là, et on y est. Là, on y est. Ah non, c'était pas loin, je sais pas comment je me suis retrouvé à... au barrage, mais... Ouais, non, c'est bon, on y est. Je sais pas comment j'ai fait hein, pour me retrouver au barrage, hein, mais... Et voilà. Il y a vraiment pas besoin de prendre des cordes. Bon, du coup, on va voir si ça marche. Parce que je, même moi, je le sais pas, en fait. Je n'ai jamais vraiment fait attention. Je crois que ça marche. Je crois que j'avais déjà fait. On est à quoi? Mal de l'enfermement, 12%. Je mettrai fin, en fait, à l'épisode. Mais je voudrais finir, en fait, la... Montrer le... L'emplacement, enfin faire la photographie, quoi, le finir. Et ce qu'on va faire, je pense que le prochain épisode, moi je vais jouer entre temps, et je vais finir le manteau, parce que le manteau il y a encore 30 et quelques heures, donc on a encore trop le... c'est trop long. Et du coup... ouais, c'est bon, ça marche. Ouais. Vous voyez que cet endroit est vraiment tranquille, c'est vraiment vraiment super tranquille de d'être aussi près de ça, enfin bref. Et le prochain épisode, comme ça, on sera prêt à partir, en fait. Et je déciderai où est-ce qu'on part. Ah oh non, c'est rien. Je crois qu'il y avait un loup là, je me suis dit, c'est bizarre. Ok, il y a un collet qui a marché, c'est bien. On va aller dépecer le lapin. Nous fera passer le temps. Ah, très bien. Et ouais, la prochaine fois, je déciderai sur ce qu'on fait. Mais je pense qu'on... Il faut qu'on mange, par contre. Je pense qu'on ira au mont Timberwolf. J'ai vraiment envie d'y aller, moi, en fait. J'ai vraiment envie d'y aller. Ça nous fera une très bonne aventure et on aura deux vêtements peau d'ours. Faut qu'on aille tuer l'ours aussi. Ah oui, c'est vrai, faut qu'on aille... Est-ce que c'est vraiment intéressant de tuer l'ours? Enfin, en vidéo, c'est ça que je veux dire. Honnêtement, je pense pas. On a tué tellement. Si ça se passe pendant l'aventure, d'accord, mais si c'est pour aller le chasser juste pour le chasser, c'est... En plus, on va sûrement le one-shot. Je vais être honnête, on va sûrement one-shot l'ours. Donc c'est pas super excitant quoi à regarder, vous voyez ce que je veux dire? Donc il s'est pas pris le truc. Donc à la limite, c'est pas grave. Je le ferai en off, vous voyez ce que je veux dire? Bon, il doit faire jour. Par contre on dirait qu'il y a toujours un peu de brouillard, je sais pas si elle va vouloir dessiner. On va voir. Yes. Wow, combien de cordes tu m'as dessiné? Bon, en tout cas, tu m'as dessiné pas mal de trucs, c'est cool. Bon bah ça y est, c'est fait. Bon bah ça c'est fait, on rentre.
Donc nous, pour monter... Nous, on a pris ce passage-là. Genre par là. Donc on pourrait... Genre faire ça. Ça fait beaucoup de marquages pour pas grand-chose, honnêtement. C'est vraiment histoire d'utiliser la... La bonbonne pour l'utiliser, quoi. Parce que là, on a dû la... On a dû en utiliser pas mal. Ah, c'est là où on monte. Voilà. C'est là qu'on commence, en fait. On va déposer tout le bois. Enfin, tout le bois. Un peu. Très bien. Ouais, moi je vais aller récupérer l'ours parce qu'on n'a pas assez de viande aussi pour tenir. On a encore un peu de lapin, mais... Ah bah tiens, en parlant de lapin, faut que je pose le lapin qu'on a. On a un peu de lapin, mais après il nous faudra plus de... plus que ça. Voilà. Et donc ouais, je pense que moi je vais faire donc une pause pour les vidéos là, et ce que je vais faire... On voit rien du tout, quoi. C'est pas, on peut mettre là. Et ce que je vais faire, donc, c'est finir le vêtement et débattre sur où est-ce qu'on va aller. Je crois que c'est la meilleure des choses. Mais ouais, je pense que ça va être le Mont Timberwolf. On va aller dormir une heure, comme ça, ça sauvegardera et mettra fin à l'épisode. Donc, ouais. Après, on peut toujours finir de cartographier ça avec bah, le nouveau système, hein, de faire les... de dessiner, donc c'est beaucoup plus simple pour nous. C'est vrai. Mais j'ai pas vraiment envie, c'est pas fun. Donc, je poste mon Timberwolf. On va faire, donc là nous on est au lac Mystère, donc il va falloir reprendre la rivière. Le ravin c'est pour aller à l'autoroute. Nous il faudrait prendre la rivière sinueuse. Je sais plus ce que c'est là, cette zone ici. Ah non, il faut passer le barrage, oui oui oui. Ouais, si je dis pas de bêtises, donc il va falloir passer le barrage. Se retrouver de l'autre côté du barrage pour aller dans l'autre zone. Donc on va se retrouver dans la rivière sinueuse, je crois bien, quand on passe le barrage. Puis après on va se retrouver dans la vallée charmante. Et après on pourra aller au mont Timberwolf. Je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça, ça va être cool. Et après on se retrouve au mont Timberwolf. Il faut qu'on prenne deux scies, il faut que j'y pense. Il faut qu'on prenne au moins deux scies. Et il faut qu'on les répare avant de partir, il faut qu'elles soient à 100% les deux. Comme ça on sera tranquille. Et on va voir, alors peut-être qu'on va pas trouver grand chose là-bas, mais ça nous fera une bonne aventure. Ouais, 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 on va faire ça, ça va être cool. Ça va être sympathique comme aventure. J'espère trouver... Bah, comme j'ai dit encore une fois, honnêtement, ça sert à rien de vadrouiller à notre stade du jeu. Hein. À notre stade du jeu, ça sert à rien de vadrouiller. On a les skills, ils sont extrêmement élevés, donc ça sert à rien de les monter plus que ça. Les vêtements, on a plus ou moins les meilleurs du jeu qu'on peut trouver. Mais par exemple, on pourrait peut-être trouver une deuxième paire de chaussettes d'escalade, ce serait cool. Les sous-vêtements, les rouges, ils font genre 1,5 au lieu de 1 degré, je crois, un truc comme ça. On pourrait en trouver deux. Je sais pas si on peut trouver un meilleur bonnet en laine, je suis pas sûr. Mais voilà, on peut trouver encore quelques trucs, mais c'est ultra méga rare. Mais voilà, ça serait intéressant, ça serait intéressant. Je crois. Donc, Mont Timberwolf, c'est un peu la zone la plus difficile. Enfin, c'était la zone la plus difficile à l'époque. Maintenant, il y a l'autre zone avec les loups gris.
Mais Timberwolf est quand même assez ardu, donc ça va nous faire une bonne aventure. Et on aura le manteau en ours, le deuxième manteau en ours. On verra ça. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. Passez un bon week-end et à la prochaine et pour de nouvelles aventures.